Les amis, je voudrais faire un appel d'urgence, voilà. Là, je suis seule, vous voyez. Toute seule. Parce que Kevin joue à 18. Qui a créé cette merde? C'est-à-dire que depuis qu'il a ce jeu, ça fait 48 heures maintenant, il passe sa vie à 1h du matin et il joue encore à 6 à 18. Je veux porter plainte contre ce gars qui a créé un jeu pareil. Il a ruiné tous les couples au monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il préfère jouer à FIFA 18 plutôt que de faire des câlins à moi. C'est pas possible. Je porte plainte contre FIFA 18 et toutes les PS au monde, du monde entier. Tous les joueurs de foot. Voilà, je vous le dis, c'est pas possible. J'accepte pas. Donc il faut y remédier. Il faut bloquer le FIFA 18. Il faut faire quelque chose. Mais en plus, c'est une arnaque terrible, parce qu'en plus, quand on achète le jeu, il faut encore acheter. Mais quelle ordure à créer ça? Je n'accepte pas ça, voilà. C'est la 48 heures que je suis seule, parce que mon copain passe sa vie sur la télé, à jouer à 6 à 18. Je ne comprends pas que les femmes ne se révoltent pas pour ce jeu. Voilà, je sais pas ce qu'il leur fait ce jeu, je sais pas, je comprends pas, parce qu'en plus, nul à chier quoi. Ils adorent ça. Mais comment c'est possible? Je comprends pas. Les gars, aidez-moi. On peut enlever un mec qui a 18 quoi. C'est trop dur. Je sais pas comment faire, faudrait que par accident, je verse de l'eau dessus sur la PS. Ou faudrait par accident que je raye le CD avec mes ongles sans faire exprès, en le rangeant. Il faut que je trouve une solution. En plus, c'est grave parce que vous avez vu l'heure là, tu l'as mis là l'heure. Il est très tard quoi. C'est pour ça que maintenant on se réveille super tard parce que le matin je peux pas vous snapper. Et demain j'ai des rendez-vous super importants. Donc je peux pas me permettre de me coucher si tard. Mais j'ai pas sommeil en plus. Narcos. Mais j'aime pas regarder Narcos toute seule, parce que Narcos ça me fait peur. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi pour regarder Narcos. Je vous raconte un petit peu ma vie, je sais. Je voulais aussi vous dire que demain, comme je vous l'ai dit, j'ai des rendez-vous très importants. Donc vous allez un petit peu partager ça avec moi, je vous montrerai un petit peu sur Snap. Et vous verrez ça vraiment la semaine prochaine. Donc je suis super contente de vous faire partager ça, j'espère que ça va vous plaire. J'ai vraiment hâte de commencer et en plus ça sera que le commencement de plein de choses donc j'adore ça, vraiment je suis trop contente. Donc restez à l'écoute, demain est une grande journée et puis j'espère que ça vous plaira. Salut les amours.